Wesh, salut, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, dans cette vidéo, on va tout simplement aller à Tilted avec plein d'abonnés et on va faire une grosse moving zone mini tournoi avec un skin à gagner pour le gagnant. Donc là, je suis juste tout simplement en train de faire l'intro après la vidéo. Donc vous allez voir, la vidéo c'est vraiment une dinguerie. Bref, j'espère que vous allez kiffer. N'hésitez pas à liker et bien sûr à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous laisse avec la suite. Bon visionnage! Ouais, abonnez-vous et likez la vidéo. Oh, ils sont tous ces balles. Ok les gars, c'est parti. On est parti pour faire une Zone Wars à 16, tout simplement avec plein d'abonnés, une Zone Wars à Tilted, donc ça va être tout simplement incroyable. Donc comme je vous le dis, la première manche, ça sera une manche de test pour tout simplement découvrir la map pour ceux qui ne la connaissent pas. Et ça sera bien évidemment la deuxième et troisième manche qui compteront. Et les deux gagnants de la deuxième et la troisième manche, tout simplement, vont s'affronter sur une autre épreuve à la suite. Bien évidemment, je l'ai pas dit, mais il y a des V-Bucks ou tout simplement un skin à gagner. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Ils connaissent l'enjeu et ça va bien tryhard. Ok, c'est parti. On est directement dans la map Zone Wars. Donc je pense qu'ils savent pas encore qu'il y a les anciennes armes et tout. Ils vont tout simplement découvrir ça. Donc la première manche, c'est une manche de test. Moi, j'ai pu tester la map avant la vidéo pour voir si elle était bien, si ça marchait bien et tout. Ils ne savent pas non plus qu'on va pouvoir voir la position des autres. Donc ça va full WK à mon avis. Ok, donc là c'est la première manche de test. Moi j'ai bien évidemment, mon but c'est pas de gagner, mais on va quand même essayer de rester un maximum en vie. J'ai hâte de voir certaines POV de chez eux. On a les anciennes armes, ça fait tellement plaisir, c'est tellement nostalgique de pouvoir jouer avec les anciennes armes, les gars, c'est tellement incroyable. Ok, pour l'instant ça tryhard plutôt pas mal, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de kills. Hop, ah, un HP. Ça va beaucoup tryhard. Ok, on a eu le kill de Naruto. C'est parfait. On a pris un petit kill. Moi, je vais juste essayer de faire mon petit top 1 sur la première manche. Ça va se jouer à pas grand chose. Je pense que ça va même se jouer à la zone. Ok, pour l'instant, on est vraiment très très bien parti. On a récupéré un peu de matériaux. De quoi potentiellement faire top 1. On est très très bien parti. On a la hauteur les gars. C'est vraiment la meilleure position pour win. On va mettre la pression. Je vais même pouvoir jouer à la zone. Ça va être incroyable. Il est blanc. J'espère qu'il a pas trop de heal. Ok, let's go, c'est la win. Cette game là, c'était la game de test. Donc ils ont pu un peu découvrir la map. Moi c'est parfait, j'ai fait mon petit top 1 et on est parti. Là ça va vraiment beaucoup tryhard parce que là bien évidemment ils doivent win. Faire une game tranquille, voilà, mon but ça va pas être de top 1. Juste on va les laisser win. Voilà, on va essayer de voir les positions un peu de chacun. Non mais vas-y, mais non. Je pense que je vais essayer de me laisser mourir de zone. Ok, let's go, on va pouvoir voir la POV des joueurs. L'huître, attention, très bon joueur l'huître. On peut changer de POV sur la POV de Exotic. Ah, qui est face à l'huître, justement. Ok, il a encore 3 splash. Je sais pas s'il l'a vu. Ah, il a pas vu ses splash. Ah, c'est ok. Ah, il est pas très bien. Face à Coco. Ok, Coco qui ramasse le kill. Coco qui est face à Tix. C'est le dernier V1. Coco qui a pas de heal off. Et c'est Tix. Aïe aïe aïe. Bien joué Tix qui remporte cette première manche. Il a plus d'heal. Oh, il allait te descendre. Okay, entre eux deux. Il a pas de heal blanc. Attention, je vais relever. Il a pas de heal blanc, Coco. Tix. Il peut gagner. Il a 30 HP. 20 HP. Let's go! Dernière manche, il est déjà qualifié pour la deuxième partie. Vous verrez, la deuxième partie, ce sera une épreuve plutôt drôle, plutôt cool. Ok, c'est parti, on est sur la deuxième manche. Donc là, les gars, ils ont bien la pression. Ils doivent absolument win celle-là. Ils ont vraiment pas le choix.
Et voilà, j'ai mis ça de tuer comme ça en zone. Ok, let's go, c'est parti, son kill. Ok, il a un kill du coup, bah c'est le kill qu'il vient de faire sur moi. Il joue vraiment les points de top, j'ai l'impression. Ok, l'huître. L'huître encore une fois sur la fin de zone. Ok, la grosse balle. Ok, il a récupéré le kill. Ok, il est très très bien. Alors, il est pas full mat, mais ça va. Franchement, il est bien. Ah, ça lui a mis des bombes. Ah là là, ça lui aura coûté la vie à l'huître. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'objets bah, de l'ancien temps, tout simplement, ancien Fortnite. Et c'est ça qui rend nostalgique et aussi incroyable la map. Parce que du coup, vraiment, vous avez toutes les armes et tous les items. C'est assez incroyable. Ok, bien joué Tix. Alors, j'ai pas expliqué la situation. C'est encore le 1v1 final avec Coco et Tix. Comme la situation d'avant, si Tix win, alors il y aura une autre manche du coup, tout simplement. Parce que bah, Tix ne peut pas faire l'épreuve tout seul. Il faudra forcément qu'il trouve un adversaire. Donc, il y aura une autre chance potentiellement si Tix win cette manche. Ça va beaucoup jouer les feux de camp. Pourquoi pas 4 feux de camp, c'est très bien joué de sa part. C'est bien tenté. Est-ce que ça va marcher? On va voir l'autre POV. Est-ce qu'il a du heal? Non, il a plus de heal. Ah, compliqué. Ah non, je pense que Coco va encore mourir sur celle-là en top 2. Quoique. Eh ben non. Oh là là, incroyable le clutch. What the fuck. 40 HP, 40 HP. 40, tempo, 30. 20, 10, il va mourir. Non, non. 6. Oui. J'ai trop Bien joué Coco, c'était oh c'était incroyable, il aurait jamais dû tenter la balle Tix. Comme ça il n'y a pas de manche de rattrapage, l'épreuve finale entre Tix et Coco. En tout cas bien joué à tous, ils ont tous été très forts, c'était très très fun à faire. On va retourner au salon et on va tout simplement voir un peu leurs avis et tout ça. J'ai hâte de voir, je vais rejoindre tout simplement leur vocal. Allô. Ça s'est bien passé? Ouais allô, ouais ça va. Ah vous avez vu le stuff? J'ai que des tactiques donc Exoli c'est bien aussi le lance-grenade. Ouais. Ok les gars, c'est parti. On a tout simplement les deux gagnants de la Moving Zone. Donc on a d'un côté le premier gagnant Tix et le deuxième Coco. Donc voilà, ils vont s'affronter sur une petite map surprise. Alors ils pensaient tous bien évidemment qu'ils allaient faire du 1v1, mais ce sera un 1v1 plutôt particulier. Donc je leur ai tout simplement expliqué ce qu'on allait faire. Ça allait être une map de color switch, tout simplement une map où ça va indiquer une couleur et ils vont devoir aller se déplacer sur la plaque de la couleur indiquée. Bien évidemment c'est pas si simple parce que ils vont glisser, ils vont avoir les pieds qui glissent et ça va être plutôt compliqué. Ils peuvent même se pousser entre eux. Ok, on est sur l'aspect de Tix. Ok, tout simplement ça commence et vous voyez ça indique les couleurs juste en bas dans le texte et ça va être incroyable les gars. Yellow. Ok, donc ça vous dit les couleurs en anglais, je vais vous les traduire en français. Ah, c'est... Il faut vraiment faire gaffe parce que des fois les couleurs, tu peux être plus ou moins écarté des couleurs. Aïe aïe aïe, déjà première manche de perdu. Première victoire de Tix, tout simplement. Ok, c'est parti, on est sur l'aspect de Tixlix, ça commence. Yellow, ok, c'est plutôt à côté. Il est dans un bon endroit quand même où il y a pas mal de plaques de couleurs différentes. Ok, ça change de couleur. Couleur violette, attention Coco. Est-ce que ça passe? Aïe 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 aïe, ça passe pas pour Coco. On est déjà à 2-0 pour Tixlix. Ok, Tixlix qui est déjà tombé. Ok les gars, on est simplement avec le gagnant final, Tix, bien joué à lui, qui a remporté la première Moving Zone, mais également le 1v1 final contre Coco sur le Color Switch. On va tout simplement aller le voir et lui demander s'il a quelque chose à nous dire, un mot de la victoire. Alors Tixlix, dis-nous, qu'est-ce que t'as à nous dire sur cette victoire? Bien joué à Coco pour le 1v1 Color Switch, et puis voilà. D'accord, ça marche. Est-ce qu'on peut te retrouver sur un réseau social? Effectivement, sur mon Twitch. D'accord, ça marche. Bah, son Twitch sera en description, les gars, donc n'hésitez pas à aller check si vous avez le temps de passer sur les lives, lui donner de la force. Ça fait plaisir. Les gars, du coup, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est pas déjà fait, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.